Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Présentement, on est dans la cuisine de Christian. Puis là, juste que vous voyez comment on respecte la distanciation sociale, bâton de hockey de 6 pieds, j'ai ça ici. Fait que si vous pensez qu'on ne respecte pas, le bâton va toujours être là, vous allez voir, c'est toujours respecté. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec vous, puis all of you that speak English, we'll do an English version after. So, ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, on va vous montrer un peu quoi manger pour aider votre système. Mais juste avant, j'ai tellement reçu de questions sur les produits en question pour aider à nettoyer, sur la posologie à prendre, que quoi de mieux que commencer avec ça, Christian, juste que tu expliques aux gens, parce que les gens me demandent la posologie que je prends, ce qu'ils voient sur les étiquettes, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire, les gens qui les ont pris, parce que je me sens un peu comme un naturopathe avec les questions que je reçois. Puis là, je t'avais le meilleur dans la matière pour expliquer aux gens qui ont pris ça comment exactement ils doivent les prendre. OK, donc la première chose qui est importante, là, de comprendre, c'est que le BioFlow 1 que vous prenez à une cuillerée à thé, dans à peu près 8 onces d'eau, puis là, vous pouvez ajouter 2 onces de jus de pomme parce que le jus de pomme contient de la pectine, puis la pectine aide ce produit-là à mieux fonctionner. Donc, une cuillerée à thé de ça, 2 cuillerées à thé de ça, dans le même verre, on brasse, on shake ça, on prend ça. Ça s'appelle le nettoyage. OK? C'est 2 produits qui fonctionnent bien séparément, mais encore mieux ensemble, puis ils nettoient. Ensuite de ça, sur l'intestin, vous avez comme un muscle. Ça s'appelle le mouvement péristaltique. Ça bouge en vague comme ça. C'est ce qui vous permet d'éliminer normalement à tous les 18 heures. Fait que 18 heures après un repas, vous devriez avoir une selle. Si vous avez une selle par jour, c'est passé, c'est aux 24 heures. Votre corps est chaud, ça fermente, vous êtes ballonné, gonflé, vous ne vous sentez pas bien. Fait que pour tonifier l'intestin, vous avez BioFlow 2. Le BioFlow 2, là, ce sont des herbes mélangées ensemble. C'est moi qui ai créé la combine, mais c'est la nature qui me fournit des herbes biologiques ou sauvages tout le temps, meilleure qualité. Puis la combine fait en sorte que le côlon se vide mieux, OK? Puis à la longue, en mangeant des fruits et des légumes, puis en dégageant bien, le côlon se raffermit, puis vous prenez de plus en plus de force, autrement dit, au niveau du ventre, puis vous éliminez de mieux en mieux. Sur la bouteille, c'est écrit une capsule le matin avec le breuvage éliminatoire, puis une le soir. Vous commencez comme ça tout le monde, puis graduellement, si vous voyez que vous n'éliminez pas 2-3 fois par jour, vous augmentez par 1. Donc, vous êtes à 2, une le matin, une le soir. Vous prenez une autre le matin, ça fait 2-1. Vous faites 3-4 jours comme ça. Si au bout de 3-4 jours, l'élimination n'est pas adéquate encore, vous faites 2-2, puis vous augmentez ça comme ça graduellement. Puis au moment où l'intestin commence à dégager, parce que ça, ce sont des herbes qui, avec l'alimentation, vont tonifier le corps, mais là, vous commencez à réduire. Vous étiez à 4, vous avez 2-3 selles par jour, vous sentez bien, vous essayez 3. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, à 3, ça va bien aller après 2. À 2, vous bloquez un corps un peu, vous montez à 3. Mais à la longue, en mangeant bien et en prenant vos produits correctement, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir besoin de moins en moins de celui-là. Puis là, l'intestin va se mettre à apprendre à éliminer régulièrement. Puis vous allez, une conséquence de ça, perte de poids, on est moins ballonné, moins gonflé, on se sent mieux. Tout simplement. Là maintenant, la prochaine étape, parce que là, c'est une chose de nettoyer ses intestins, mais là, il faut aussi faire attention à comment on mange. Parce qu'un des gros problèmes, Christian, comme tu le sais, puis juste que les gens voient encore, distanciation sociale avec le bâton de hockey, on est distancé, un bâton qui est assez long, vous le voyez. Alors, on respecte ça même dans les tournages. Les gens, Christian, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment, colle beaucoup dans les intestins. Oui. Parce qu'on nettoie notre système, on continue à manger des substances qui collent encore. Fait que dans le fond, tu vas nettoyer à vie si tu continues à manger des substances qui collent. Donc, le but, c'est d'apprendre à manger des choses qui collent moins. Alors, pour un déjeuner, admettons, pour les gens qui veulent commencer à nettoyer leur système, puis à mieux manger, puis à consommer des choses qui collent le moins. Je l'ai déjà fait quand je t'ai suivi un couple de mois, puis tu m'avais déjà donné cette recette-là. Mais j'aimerais ça t'expliquer aux gens, en se réveillant le matin, c'est quoi la meilleure chose qu'ils peuvent ingérer pour leur système, qu'est-ce qui colle le moins, puis qu'est-ce qui est mieux à prendre quand on se réveille souvent. C'est un questionnement que souvent les gens ont, qu'est-ce que je devrais prendre comme déjeuner, avec quoi, surtout si je fais un cleanse, puis je nettoie mon système, avec quoi je devrais commencer ma journée. OK, donc premièrement, là, comme Georges dit, le problème, c'est qu'on mange trop collant, gluant. Le collant, le gluant, c'est la boulangerie et la pâtisserie, là, la farine mélangée avec des blancs d'œufs, des œufs, puis etc., des produits laitiers. Ça colle.
Puis ensuite de ça, vous avez tous les produits laitiers, fromage, yogourt, etc. On en mange trop de ça. Fait quand on se lève le matin, il faut manger des aliments qui vont aider à éliminer. Chaque organe du corps humain a une prédominance pour certains minéraux. L'intestin, c'est beaucoup la silice, puis beaucoup le magnésium. Donc, les fruits, c'est les meilleurs aliments à manger le matin parce que les fruits, c'est considéré comme des nettoyants. Donc, les fruits, c'est des nettoyants. Ça nettoie le corps. Puis, les légumes sont des constructeurs. Mais les deux ont des fibres. Puis, les fibres doivent toujours être crues, comme je vous expliquais l'autre fois. Quand vous prenez une carotte ou un fruit, le fruit, la fibre est croquante. Mais c'est ça qui permet à mieux éliminer l'intestin. Donc, le matin, du matin au lever jusqu'au dîner, on ne mange que des fruits. Ça peut être des fruits en smoothie, ça peut être une salade de fruits, ça peut être juste manger des fruits comme ça. Mais moi, ça fait 35 ans que je pratique, puis moi j'ai observé que le smoothie, c'est vraiment la meilleure affaire. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais je peux vous dire que je l'ai observé. Faire un smoothie puis manger des fruits, des fois ça peut être comme le jour et la nuit au niveau de la différence. Donc, on mange des fruits, puis les fruits jaunes sont riches en magnésium, sont riches en vitamines, en minéraux, en enzymes, en eau. L'autre fois, je disais l'importance de l'eau vivante dans les fruits qui nettoient le corps. Fait que, mais vraiment, les jaunes là, ont vraiment une particularité d'aider, vraiment aider à nettoyer l'intestin et à tonifier la digestion. Puis là, ici, ben, tu vas nous faire un exemple de repas de déjeuner qu'on peut prendre en se levant le matin en nous expliquant un petit peu la particularité de chaque aliment qui sont là. Oui, on a hâte de voir ça. C'est une petite idée de smoothie le matin qu'on peut faire. Et c'est un smoothie vraiment santé. Puis quand je regarde ça, que plein de vitalité. Puis j'ai hâte que tu me parles aussi de la baie d'arbousier, que c'est pas tout le monde qui connaît. Oui. Puis de nous expliquer les propriétés de ça. Puis oui. Comment ça fait le bénéfice de prendre ça le matin. Oui. OK. Donc, moi, je prends des smoothies là, depuis, je sais pas, 30-35 ans. Donc, je vais commencer avec la noix de coco. La noix de coco, extraordinaire, très riche en nutriments, riche en minéraux. Souvent, quand les gens s'entraînent, ils cherchent des aliments là, qui vont leur donner beaucoup de minéraux parce que ça permet au corps de se recharger au niveau de l'énergie. On appelle ça des électrolytes. Ça, c'est plein. Et n'oubliez pas, c'est toujours la même affaire qu'il faut comprendre. À partir du moment où l'aliment a été altéré par l'homme, il a été pasteurisé, il a été transformé, vous n'avez plus la vie dedans. L'important, c'est d'avoir la vie dans l'aliment. L'aliment n'a pas été chauffé, il n'a pas été pasteurisé. C'est la noix de coco directement de l'arbre. Okay? Donc, vous l'ouvrez. Fait que là, faites attention, prenez votre temps. Il y a un outil que vous pouvez acheter qui s'appelle le Coco Jack. Okay? Le Coco Jack va vous aider à ouvrir ça encore plus facile qu'avec une hachette, une machette là, avec un couteau, mais moi, je suis habitué. Vous voyez, lui, un couteau, moi, j'ai un bâton de hockey qui gagne dans sa combat. Wow! Un pro! Okay, regardez ça, comment c'est bon. Comment t'es naturel pour ouvrir ça? Oui, absolument. Donc là, vous y allez comme ça, regardez. Là, vous avez l'eau de coco, plein de minéraux, électrolytes, vivants. C'est de l'eau vivante dynamisée par le soleil. Il n'y a pas un être humain qui est capable de créer ça en laboratoire. C'est de la vie. Okay? Ensuite de ça, vous prenez une cuillère et vous allez chercher la chair. Je ne le ferai pas au complet, là, mais je vous montre comment ça se fait et c'est facile. Fait que vous voyez là à l'intérieur, il y a plein de chair. Puis, des fois, la chair est rose. C'est bon aussi, c'est parce que la coconut est encore plus jeune. Fait que là, on dégage ça comme ça. On met la coconut de même. Là, vous avez le top ici. Vous enlevez le coconut comme ça. Voyez-vous, là, c'est facile au bout. C'est bon à manger comme ça. Prenez ça comme ça. Ensuite de ça, vous avez les mangues. Essayez toujours d'aller vers le biologique. N'oubliez pas, là, une terre saine, ça pousse des aliments sains, puis ça fait des êtres humains sains. Pesticides, herbicides, fongicides, c'est des toxines. Il faut éviter ça le plus possible. Tout ce qu'il y a ici, tout ce que je mange, c'est principalement organique. Fait que ça, c'est des mangues. Vous pouvez les acheter crues, vous les pelez. Ceux-là sont congelés, mais c'est bon, vous achetez ça congelé dans les frigidaires, dans les produits naturels, puis c'est correct aussi. Là, ça n'a pas été altéré, ça n'a pas été chauffé, rien. Mais ça serait encore meilleur, ça serait cru. Ensuite, j'ai les dattes medjool. Ben, j'ai envie de mettre ça. La banane, OK, donc riche en potassium aussi, d'autres minéraux, des vitamines, toutes des bonnes fibres toujours, mettez ça dedans comme ça. Là, vous avez ici l'arbousier. Donc, l'arbousier pousse au Québec. Encouragez le monde de Québec, du Québec, là. Marché local, biologique. Ça, là,
ce sont des baies incroyables, riches en antioxydants, riches en minéraux, en magnésium, en potassium. C'est d'une richesse incroyable, puis c'est vivant. N'oubliez pas, là, ça n'a pas été altéré, chauffé, pasteurisé, micro-ondé, rien. Puis ensuite, vous avez les dates majeures. Fait que là, vous enlevez le noyau dedans, mettez ça dedans. Moi, souvent, je mets de la vanille. Vous pouvez ajouter de la vanille dedans. Puis souvent, je vais mettre j'ajoute du régénération. Augmente encore plus la nutrition. Fait que ça, c'est un mélange de plantes, tout le temps cultivé dans des sols biologiques, très riche en antioxydants, bon pour le système immunitaire, riche en bêta-carotène, un aliment incroyable, un repas en poudre. Tout simplement, vous mettez ça dedans. Je peux en mettre un petit peu comme ça. Mettez à peu près une cuillerée à soupe, peut-être. Moi, je m'en fais à peu près, mon smoothie est à peu près un litre. Donc, je fais à peu près 32 onces de smoothie. Là. Ça, c'est peut-être un 18, 16, 18 onces. Là. Puis là, vous achetez, vous occupez, vous essayez toujours d'avoir un Vitamix, mais ça marche avec n'importe quel blender. Mais Vitamix, c'est exceptionnel. Là, vous y allez. Là, ça, c'est un goût incroyable. Là. Vous avez un goût de ça, là, c'est fantastique. En veux-tu, Georges? Ben oui, c'est ça. Ça a l'air tellement exceptionnel quand je regarde ça. Tu sais, puis c'était tellement simple à faire. Souvent, on se casse la tête à savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met. Puis je regarde ça, comment ça a l'air incroyable. Là, oubliez pas, quand vous mangez ça, vous l'avez en smoothie, ça a toujours besoin de vos enzymes, là, au niveau de la digestion, là, au niveau de la salive. Fait que quand vous prenez ça, vous prenez une gorgée puis vous le mélangez dans votre salive comme si vous mangiez le fruit. Puis là, vous l'avalez par après. Puis ça va nettoyer votre corps. C'est plein d'eau, vitamines, minéraux, tout plein de vie. Là. Quand vous achetez des vitamines et minéraux en comprimé, ça n'a pas de vie. L'homme est capable de créer moléculairement les substances, mais il n'est pas capable d'y mettre la vie dedans. Vous êtes vivant, vous avez besoin de manger de la vie. Fait que quand vous prenez votre breuvage éliminatoire, puis en plus vous mangez des fruits comme ça le matin, plus de toast, plus de beurre de peanut, plus de des œufs, etc., bien, vous arrêtez de manger le collant. Fait que là, vous arrêtez de mettre du collant, vous mettez des aliments qui nettoient, des aliments qui ont été créés pour votre espèce, puis là, vous commencez à cleaner votre corps, puis vous vous sentez de mieux en mieux, tout simplement. C'est très, très simple. Christian, je suis vraiment content, je ne connaissais pas le Big Darousier. Maintenant, je vais incorporer ça, mais surtout, je ne savais pas que dedans la peau, dans le coconut, c'est aussi nutritif. Oui. Puis je suis surpris comment c'est excellent au goût en plus. Ah, c'est tu sais, souvent les gens regardent des jus verts, puis on sait pas trop, on se demande le goût. Je vous le dis, il est vert, le jus est rempli de vitamines, mais c'est excellent au goût en plus. Une recette super facile à faire, réveillant le matin. Puis en plus, si vous cleanez votre système, vous prenez ça, vous n'allez pas vous sentir ballonné. Puis l'énergie, vous avez l'énergie au moins jusqu'au dîner avec ça. Facile. Puis n'oubliez pas, là, les gens souvent ils vont me dire, Christian, je vais avoir faim. Non, non, n'oubliez pas, les gens mangent, on mange du collant, du gluant, ça bloque nos intestins, on est ballonné, on absorbe mal, on a toujours faim. N'oubliez pas, l'énergie ne vient pas des aliments. Il y a des gens qui mangent 5-6 fois par jour, puis ils se disent toujours fatigués puis épuisés. L'énergie, ça vient d'un corps propre. Plus vous mangez bien, plus vous nettoyez, plus vous absorbez. C'est comme un moteur d'auto. Plus il est propre, moins il consomme, plus il génère de la puissance. Plus votre corps est propre, moins vous mangez, plus vous avez de l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, maintenant, pour continuer souvent, parce que là, maintenant, lors du lunch, les gens se demandent souvent, OK, comment, qu'est-ce qu'on mange dans l'heure du dîner? Qu'est-ce qu'on va manger dans l'après-midi? Comment on peut faire nos salades qui sont le plus santé? Puis encore une fois, on parle toujours d'aliments qu'on peut manger qui font en sorte que ça ne colle pas dans les intestins. Parce que c'est ça le but. En ce moment, on vous donne une façon d'éliminer vos déchets à l'intérieur de vous-même. Parce que quels que soient les virus que vous avez, la maladie que vous avez, si vous êtes capable d'éliminer, on élimine les déchets, mais en même temps, la nourriture, ce qu'on va consommer, c'est super important. Puis là, bien, ce qu'on va faire pour vous aujourd'hui, ce que Christian va faire pour vous aujourd'hui, parce que moi, je suis ici avec le master, même moi, je suis là, puis j'apprends, et je garde ma distanciation sociale avec vous, si avant, je n'avais qu'un conseil à faire bâton. Fait ce que je veux voir, c'est comment, qu'est-ce que la meilleure salade qu'on peut prendre, qui va moins coller, qui va nous aider le plus possible. Puis, vas-y, Christian, je vais faire le tour comme ça. Parfait. Ouais, je vais me distancer comme ça. Ouais, super. La meilleure salade que je peux prendre le matin qui va aider mon système toujours à rester plein d'énergie,
plein de vitalité, ça va pas coller dans mes intestins, puis ça va être très bon. Puis aussi quelque chose qui est facile à faire. Là, on vous montre les recettes, on vous montre les ingrédients, quelque chose de super facile à la maison que vous pouvez tous essayer. Parce que là, souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je devrais faire comme recette, des choses comme ça. On vous donne une idée très facile à faire comme lunch, puis il va vous expliquer exactement comment on la fabrique, comment on le fait. Puis c'est pour ça que c'est excellent de pouvoir voir ça, comment le faire, comment c'est simple. Puis souvent, quand les gens voient la simplicité de quelque chose, les gens disent c'est facile à faire, donc je veux pouvoir le faire à la maison. Puis dans un live, ce qui est intéressant, vous pouvez reculer, vous pouvez voir les ingrédients, vous pouvez prendre le temps, donc c'est pas trop rapide, c'est une façon très simple de le faire. Alors, Christian, maintenant, quand on est rendu par l'heure de lunch, après notre smoothie qu'on a pris, qui nous garde au moins ce qu'au dîner, quelqu'un qui veut toujours rester sain parce qu'il nettoie son système, qu'est-ce que tu me suggères comme salade? Puis comme je regarde ce qui est là déjà, je vois qu'il y a énormément d'acides aminés là-dessus. Oui. Donc, la même chose, c'est tout vivant. OK, comme je disais l'autre fois, tous les animaux qui vivent dans leur habitat naturel mangent vivant. Donc, on est vivant, on doit manger vivant. Puis là, les légumes, c'est des constructeurs. Ça contient des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Excusez-moi, de la chlorophylle. Ça contient des acides aminés. OK, puis ils sont déjà là. Vous n'avez pas besoin de digérer la protéine en acides aminés. C'est déjà là. C'est pour ça que vous regardez un cheval de trait, il est puissant, il est musculaire, puis il mange juste de l'herbe. Vous regardez un gorille, puissant, musculaire, mange juste des fruits et des légumes. OK, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, ce qui est important, c'est que vous faites une salade, puis chaque légume vous donne des éléments nutritifs spécifiques aux légumes. Donc, si je mange une salade de laitue carotte ou laitue tomate, bien, je vais avoir faim. Je vais avoir faim entre les repas. C'est pas assez pour me nourrir. Il n'y a pas assez de variété. Donc, l'important, c'est la variété. Les animaux dans la nature, ils mangent beaucoup de variétés d'herbes. Ils broutent beaucoup de différentes variétés. Donc, plus il y a de variété, plus je vais chercher des vitamines et minéraux, les acides aminés, etc., de chaque aliment. Puis plus, en mangeant ça tout ensemble, bien, mon corps a absolument tout ce qu'il a de besoin. Puis n'oubliez pas que c'est tout prédigéré. Les vitamines, les minéraux, des antioxydants, des acides aminés, des enzymes, de la chlorophylle, de l'eau vivante, tout ça est plein d'eau. Donc, on commence avec la salade. Vous achetez comme ça, là, toujours bio le plus possible, la salade comme ça. Ensuite, vous avez c'est quel genre de salade pour les gens qui nous écoutent? Ça, c'est un mélange, ils appellent ça un mélange de salade. Je ne me rappelle pas comment ils appellent ça. Ça, je pense, oui. Printanier. Oui, printanier. Dedans, il y a salade d'épinards, salade de... Oui, mesclun. Oui, mesclun, il y a du kale, il y a un mélange là-dedans. C'est ça, mélange printanier. Ensuite de ça, vous avez le persil. Fait que n'oubliez pas le persil, là. Une herbe, un aliment, c'est une herbe absolument extraordinaire. Vous pourriez mettre de la coriandre, je n'ai pas trouvé tantôt. Ensuite, vous avez la betterave. La betterave, super bonne pour nettoyer votre foie, donne énormément de minéraux, puis incroyable pour l'entraînement. Absolument incroyable pour l'entraînement, augmenter vos performances. Ensuite, vous avez des pousses de radis. Ça vient tout du Québec. Peux-tu expliquer comment les pousses... Comment pour les minéraux pour les pousses, c'est un aliment qui est exceptionnel que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Puis, tu peux expliquer pourquoi? Oui, c'est parce que quand vous mangez une carotte ou un céleri, supposons, là, on appelle ça des légumes matures. Ça contient encore de la vie. On va appeler ça bio-énergique. Là, c'est bon pour le corps, ça vous donne de la vie. Mais quand vous plantez des graines dans le sol puis qu'ils commencent à pousser, on appelle ça des baby greens. Ou on appelle ça des germinations. Fait que quand un aliment est en train de germer, quand la graine est en train de se développer, elle développe une quantité d'énergie absolument incroyable. Fait que tous les légumes nous nourrissent, ils sont tous bons, mais quand vous ajoutez les baby greens, des germinations à votre alimentation, une germination est de beaucoup supérieure au niveau vitalité, vitamines, minéraux, fraîcheur, explosion de fraîcheur qu'un légume mature, tout simplement. Fait que moi, je fais toujours une combinaison, mais je mange énormément de germination. Énormément de germination. Fait que si vous aviez du radis, et si vous avez d'autres genres de germination, ça, c'est tout fait au Québec. Regardez, là, puis... Ça, c'est la sorte, ça, là. Il n'en faut pas énormément. Là. Celui-là, je pense que c'est... Ça, c'est... Brocoli. Comme... C'est quoi, celui-là? Brocoli, ça, c'est le brocoli, ouais. Peut-être, là. C'est pas complètement tout le temps par cœur. Ça, c'est le tournesol. Moi, je mange énormément de tournesol. Fait que vous voyez, mettez du tournesol. Si vous avez du céleri avec les feuilles, faites ça comme ça.
Si vous avez la luzerne, comme ça, vous avez du concombre que vous mettez comme ça. Ensuite, vous avez des tomates, toujours bio, toujours des sols sains, pas de pesticides, pas d'herbicides, des aliments sains font des corps sains. Ensuite de ça, la, voyons, l'échalote. Ouais. Puis, vous avez ici les poivrons, ça pourrait être des poivrons rouges, des poivrons verts, puis ça c'est des poivrons oranges. Puis Christian, pour les gens qui nous écoutent tout le temps avec la superbe question de protéines, peux-tu expliquer aux gens la combinaison d'acides aminés là-dedans qui donne une protéine complète pour les gens qui se questionnent toujours sur comment vous faites pour des protéines, il n'y a pas assez de protéines dans ma salade. Si tu peux juste expliquer aux gens comment que ça, c'est encore plus protéiné que ce que les gens pourraient penser. Okay. Ce qui est important là, de comprendre, c'est une très bonne question, c'est que tout le monde dit tout le temps où vas-tu chercher tes protéines. Premièrement, vos cellules, là, votre corps, c'est des cellules, 80 trillions de cellules ou 50 trillions, là, c'est pas important. Mais les cellules, eux autres, ont besoin d'acides aminés. Fait que quand vous mangez du poulet, du poisson, etc., c'est des protéines, puis vous devez les transformer en acides aminés pour que le sang les absorbe et les amène à vos cellules. Donc, votre corps n'a pas besoin de protéines, il a besoin d'acides aminés, puis vous devez le digérer. La digestion de la protéine animale, c'est complexe. Ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de vitalité au corps. C'est pour ça que quand les gens mangent énormément de protéines animales, mais après le repas, ils vont être fatigués. Fait qu'on a trouvé un moyen pour ne pas être fatigué au bout du café, pour se repomper. L'être humain a développé toutes sortes de façons pour ne pas le sentir, mais en général, quand on mange la protéine animale, on est comme très amorti après. C'est parce que toute l'énergie que ça prend pour transformer ça, c'est énorme. Puis pour la majorité des gens, on mange trop de protéines. On n'est pas une espèce créée pour la protéine. Fait que les protéines, comme je vous disais l'autre fois, l'animal qui nous ressemble le plus, ce sont les primates. Puis les primates mangent très peu de protéines animales, très, très peu, très rarement. Mais ils vont aller chercher leurs protéines là-dedans, ce qu'on appelle les acides aminés. Donc, dans chacun des ingrédients que je vous ai nommés, il n'y a aucun aliment ici qui contient tous les acides aminés qu'on a besoin. C'est là que le monde est mêlé, parce qu'on leur dit, les légumes ne peuvent pas vous donner votre protéine complète. Ça, c'est des acides aminés complets. Oui, c'est vrai, mais chaque aliment en contient différemment. Donc, en les combinant ensemble, j'obtiens la majorité des acides aminés que j'ai besoin. C'est comme ça que les animaux vont chercher leurs acides aminés. C'est comme ça que les primates vont les chercher. C'est comme ça qu'on va les chercher. Puis essayez-le, là, vous allez voir, vous allez manger ça. Puis là, d'un coup, vous allez vous apercevoir que vous avez moins faim. Vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas une baisse dans l'après-midi. Vous avez besoin d'un snack. Votre énergie augmente, puis en plus, quand vous prenez le breuvage éliminatoire, bien, les aliments que vous mangez, qui sont riches en eau vivante et en fibres, ils vont travailler avec les herbes, parce que ce sont toutes des herbes, ce sont toutes des plantes, ils vont aider le corps à se nettoyer, à se cleaner, puis plus mon corps est propre, plus mes cellules ont de la vitalité, puis mieux je me sens, tout simplement. Comme vous voyez, c'est des recettes exceptionnelles, ça c'est... Je t'ai rajouté ici des poivrons. Ouais, c'est parce que je voulais dire, c'est juste que j'en mets beaucoup. Là, tu sais, là, j'en ai peut-être déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voyez-vous. Mes salades ont toujours à peu près 10, 12, 13, 14 différents légumes, germinations, les petites pousses, on appelle ça des jeunes pousses, baby greens. Puis souvent, je mange des olives. Les olives, là, c'est un aliment incroyable, extraordinaire. Vous devez vous assurer que c'est dans l'huile d'olive ou la saumure, mais pas dans le vinaigre, parce que le vinaigre blanc, c'est beaucoup trop acide, puis ça détruit l'aliment. Puis les olives, c'est un fruit. Les oliviers, là, ça pousse sur la planète depuis des milliers d'années. Il y a des arbres qui ont 2000 ans sur la planète, puis qui fournissent encore, produisent encore des olives. Puis ça, c'est riche en potassium. Comme tous ces aliments-là sont riches en potassium, puis le muscle, là, vos muscles, c'est un organe de potassium. Fait que quand vous vous entraînez, là, puis que vous commencez à avoir mal aux muscles, c'est de l'acide lactique. L'antidote de l'acide lactique, c'est le potassium. Donc, plus vous mangez vert, potassium, alcalin, plus votre corps est capable d'éliminer l'acide lactique, puis vraiment la neutraliser, plus vous êtes capable de vous entraîner longtemps. C'est pour ça que tous les animaux sur la planète qui sont très efficaces dans l'endurance, ce sont tous des animaux qui sont végétariens, qui mangent des plantes. Tous les animaux qui mangent de la viande, comme les carnivores, mais sont capables de donner un boost d'énergie, mais rapidement, ils se fatiguent et ils ont besoin de faire un grand repos avant de repartir.
Fait que c'est ça. Vous allez vous apercevoir que plus vous allez vous cleaner, et plus vous allez vous alcaliniser, toute votre énergie, votre équilibre va s'améliorer énormément. Puis pour les gens qui se demandent quel genre de vinaigrette tu devrais mettre dans une salade comme ça, regardez, qu'est-ce que tu suggères? Moi, c'est de l'huile d'olive, là. Ça, c'est des gens qui m'apportent de l'huile d'olive de graisse, là, mais une bonne huile d'olive biologique. Mais de l'huile d'olive comme ça. Ensuite de ça, je pourrais mettre ça ici, là. Ça, c'est du Dr. Bragg's. Dr. Bragg's a été un de mes profs. Fait que c'est comme un produit, on appelle ça du liquid soy, c'est comme salé, mais c'est pas avec ajouté de sel, c'est un bon sodium. Du vrai, des minéraux organiques, fait que c'est fait au niveau organique. Des fois, je vais mettre un peu de miel, je pourrais mettre l'huile d'olive avec ça, dans le blender, je mets du miel, je blende ça, je mets ça dessus. Des fois, je mets des légumes dans le blender, des carottes, des céleri, des concombres, des piments verts, des piments rouges, je mets un peu d'huile, un peu d'eau, je blende tout ça, puis je mets ça dans ma salade. Fait que ma salade est pleine de légumes, puis ma vinaigrette est pleine de légumes. Puis c'est bon en tabarnouche. Puis vous allez voir, vous n'aurez pas faim, puis vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. En tout cas, là-dessus, Christian, puis t'as tellement raison, regardez mon poids en ce moment. Je pèse 280 et c'est comme ça que je me nourris. J'ai jamais faim, je perds du poids énormément. Je nettoie mon système, j'ai recommencé à courir. On va faire le marathon ensemble. Puis je perds pas d'énergie, j'ai pas besoin de rien. Vous me demandez toujours qu'est-ce que je fais pour mes protéines. Et voilà, à tous les jours, je mange une salade. Tout le temps, tous les jours, je prends un smoothie. J'ai aucun problème d'énergie. Au poids que j'ai, il manque pas d'énergie. Je cours, j'ai une grosse charpente pour courir. J'ai pas la chaîne d'un coureur. C'est mon énergie, elle est bonne. J'ai deux années discales, j'ai plus de ménisque dans les genoux. Puis c'est vraiment ça qui a régénéré mes articulations. Puis c'est à cause de comment je mange aujourd'hui que j'ai pas mal. J'ai pas besoin de prendre aucun produit magique. Pour courir, c'est simple, c'est juste comment je me nourris. Il n'y a rien de magique là-dedans. Puis nous, la seule chose qu'on veut, c'est aider votre santé et maximiser votre santé pour que vous puissiez manger d'une façon plus saine pour vous sentir mieux. Puis, écoute, c'est gratuit là, ce que vous entendez aujourd'hui. C'est facile à faire, on vous donne des recettes puis l'essayer. Puis j'ai vu la différence sur moi, on a tous vu la différence sur nous. Vous pouvez l'avoir sur vous-même si vous l'essayez. Maintenant, nos amis anglais!